les copines. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une vidéo avec la plus facile des motos pour faire des wheeling en cross bitume. Voilà, avant que la vidéo commence, il serait préférable d'aller vous abonner à mon Instagram car je pense que c'est nécessaire afin de voir plein de nouvelles motos tous les jours. De mettre des petits pouces bleus, à 3500 pouces bleus, je m'engage à apprendre à faire des bavettes. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné au titre à la miniature, on va tout simplement présenter une 125 TTR. Tadam ! Viens là, caméraman. C'est une 125 TTR 2009. Voilà. Non, en vrai, l'année, on ne sait pas trop. C'est un 1000 cm3. C'est marqué dessus, je ne mens pas. 1000 cc. Et c'est vrai, hein ? Pourquoi ? Aucune idée. 1000 cm3, donc c'est une 125 TTR de 1000 cm3. Donc une 125 TTR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gamme TTR de chez Honda, de chez Yamaha. Logique. Je vais y arriver. Alors Yamaha, ils ont fait la 50 TTR, la 90 TTR, la 125 TTR. Il n'y a pas la 150 TTR. Non. Donc là, c'est une 125 TTR, donc c'est un modèle 14-17, peut-être au-dessus, 16-19. Mais en vrai, c'est une 125 pour les bébés. Parce que regardez, je me mets dessus, hop, elle est à ma taille. Voilà. Donc, partie compression, on a un cric. Un bon cric, sa mère. Non, un kick, les mecs, regardez. Regardez, ça compresse déjà plus que mon 85. Oh, bah ça démarre tout seul. Venez entendre le bruit. Donc là, on l'a fait un petit peu chauffer avant. C'est un bruit de carton, du coup, c'est pas du tout. Tambour à l'arrière, c'est ça, hein? Ouais. Tambour à l'avant, c'est disque. Ça freine bien. L'arrière, bah, ça freine bien. Bon, après, c'est une moto de qui date de quelques années quand même. Avec un beau kit déco. Ça, c'est rare, les mecs, de trouver un kit déco d'origine comme ça. Ça roule au samplon 98. Bon, c'est une TTR, quoi. Y a rien de plus basique à dire. Hein. Y a des petits leviers. Voilà, ça, c'est pas du hydraulique. Hein. Le petit bouton pour arrêter la moto. Il n'y a pas de clé, ce qui est logique, c'est une motocross. Petit kick, voilà. Robinet d'essence de l'autre côté. Viens nous filmer le moteur. Bon, il est un petit peu chaud, hein. Faut faire attention parce que, regardez, je me suis brûlé le doigt. Donc, on a off, donc ça c'est la réserve. Off, on. Donc là c'est off et là c'est la réserve. Donc là on va mettre sur on. Il y a combien de vitesses? 4? 4 ou 5? 5. 5 vitesses, donc première en bas, après bah point mort, deuxième, troisième, quatrième. Quatrième, troisième, deuxième, point mort, première, parfait. Bon, tout le monde dit que c'est la meilleure moto pour lever. On a un petit starter. Ah ouais, montre le starter parce que franchement, moi j'avais jamais vu une petite barre de renfort aussi. Le starter, j'avais jamais vu comme ça, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Je comprends pas pourquoi. Dedans, c'est à combien de litres tu penses? Aucune idée. 8? 8, partons sur 8. Bon, voilà, sinon il n'y a rien d'autre à présenter. À mon avis, les cadres bleus sur les TTR, c'est à partir d'une certaine année, mais je ne saurais qu'en vous dire. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, on va dire qu'elle est de 2009. 9, exactement. Elle est 2000 et elle est 9. 2009, voilà. Je vais vous faire une petite démonstration. Je mets mon casque. Hop, il est mis. Juste faire un aller-retour. Hein. Après, on fera la GoPro des wheeling, comme vous dites. Mais il y a quand même des quelques couleurs. Le pied sur le train. Les mecs, conseillez-moi dans les commentaires, mais comment on fait pour tenir? Comment on fait pour tenir? Aucune idée. J'en sais rien. J'étais haut ou pas, ou j'étais juste comme ça? Ça va, t'étais bien. Je vais essayer d'aller plus haut. Sans me retourner, bien sûr, parce que je n'ai pas de cax. Attention. Donc, vous trouvez le point de compression, après ça va tout seul. Hein. Ah
a un avenir dans le cross Bibi. Donc sinon voilà les mecs, il y a une béquille, c'est des crosses qui ont des béquilles, ça c'est pas mal comparé à ma 85 qu'on peut pas poser partout. Sinon, franchement, bon ça commence à coter, donc ça commence à devenir cher, enfin c'est déjà cher de base, mais de base je sais pas en concession combien ça peut coûter. Mais à mon avis, c'est pas donné. Mais sinon pour des petits, c'est pas mal. Niveau vitesse, je ne saurais guère vous dire la vitesse maximale de ce bolide. En vrai je pense 110 en max, mais de toute façon des crosses c'est pas fait pour aller au max, c'est plus pour ça, c'est plus pour apprendre à lever, c'est pas mal. Vraiment je vais encore faire un aller-retour, mais il y a rien à faire quoi, juste un petit coup de gaz. Même je pense que même sans donner un appui ça passe, mais je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, je lève jusque où là, je sais pas si je suis loin de me retourner ou pas, mais je préfère freiner. Je suis pas loin de me retourner. Freine quand même. Freine quand même. Point de sérieusement, si on est un petit peu plus sérieux, c'est que j'ai une très bonne moto qui se fait assez rare sur le bon coin, hein. Bah, par chez nous on n'en trouve pas beaucoup. Voilà, faites attention, ça chauffe beaucoup. J'en ai fait les frais. Bon, sinon pour lever, c'est excellent. Bon, après, je connais un petit sur Insta, je sais plus son nom. Il a une 125 TTR très récente, 2018-2019, je crois, 2017. Et il lève super bien avec ça, donc il y a moyen de faire de beaux trucs. Voilà. Thank you.
la vidéo et que vous voulez que j'apprenne à lever avec ma 85, 3500 pouces bleus, je suis essoufflé. Venez sur mon Instagram, donnez des petits conseils pour les bavettes là, parce que je sens que je suis pas très loin des bavettes. Sur ce, les mecs, bonne journée.